La jeune fille, là, elle s'appelle Jo. Vous la voyez toujours avec des programmes. C'est notre doyenne. Et ça, je vous remercie de bien vouloir l'applaudir fortement parce que c'est vraiment... Suivie par Corinne. Corinne, que vous avez vue plusieurs fois, qui vend les disques des artistes quand ils annoncent ce soir, il n'y en aura pas. Qui distribue les programmes, qui fait pas mal de choses. Il y a un monsieur, un petit monsieur, mais je sais même pas si je dis son nom parce que je sais pas qui c'est qui le connaît pas. Il y a Christian Dussault. Christian, arrête de discuter, tu viens. Il est où, mon Christian? À la Corinne. Voilà Corinne qui arrive, dès qu'elle pourra passer les obstacles. Voilà. Voilà Corinne. Ensuite, on va appeler Yves Guégan. Yves qui doit être là, voilà, qui arrive. Merci Yves. Vous les voyez tous les soirs aussi. Ensuite, qui a-t-il? Il y en a deux. Et j'attends pour les... Oui, il y a, comme me dit Corinne, il y a Chérie Transpalette. Chérie Transpalette, t'es où? Donc c'est le spécialiste du Transpalette et des banderoles Chérie FM qui met tous les soirs en place. S'il les met pas, c'est nos deux jeunes qui les mettent en place. Mais de toute façon, quand il arrive, il les sort pour les remettre. Parce qu'elles sont pas bien mises. Alors, il est où, mon Christian? Voilà, il arrive. Temps pas mesuré, il risque. On va pas emboutir la barrière, il va avoir le temps de freiner. Voilà, là. Tu tournes. Qui c'est? Et là, nous allons avoir. Deux grosses pointures des estivales de Chartres, Lucien Roger et Bruno Doré. Donc le rôle est très très important de Lucien et Bruno. Je sais pas où est Christian Dussault, il doit être en train de discuter avec quelqu'un qui connaît. Voilà. Et là, Lucien Roger et Bruno, deux grosses unités qui sont responsables d'une grosse partie de la programmation. Ils vont chercher tout ça sur Internet, ils vont en vacances, ils nous facturent leur voyage. Et ils reviennent avec des adresses. Bon, on fait le tri. Ces deux-là sont vraiment très très appréciables. Et nous avons Marie-Hélène qui s'occupe du blog, mais qui fait la sélection pour tous les spectacles enfants. Voilà. Je leur laisse la parole maintenant. On va parler, parce qu'on n'est pas très nombreux ce soir, on va parler de choses qui peuvent fâcher. On va parler d'argent. Donc c'est pas la peine de vous lever tout de suite et de partir. On va pas faire la quête tout de suite. Simplement, pour vous dire que... Si les spectacles sont de plus en plus de qualité, c'est parce qu'on nous aide financièrement. Donc, merci à la ville de nous confier, je dis bien confier, une belle somme d'argent. On essaie d'en tirer le meilleur parti. Et grâce à ça, bon, quelque part, c'est un peu notre argent quand même qui nous revient, puisque c'est la ville qui nous le confie, mais elle pourrait le confier à d'autres associations ou à d'autres personnes. Donc, merci la ville. Merci également au conseil départemental,
Merci à tous les commerçants qui figurent sur notre petit livret. Vous avez pu voir sur les programmes, il y a un certain nombre de commerçants, d'artisans, de restaurateurs, etc., qui annoncent dans notre petit livret. Donc c'est un échange soit de services, soit d'argent. Et si certains d'entre vous souhaitent l'an prochain nous aider, c'est très simple, il suffit de nous contacter. On vient vous voir, ça s'est fait cette année. Les commerçants nous ont gentiment dit, bah, écoutez, nous on n'a jamais été sollicités pour être dans le livret. Et donc on s'est déplacé et en échange, ils ont maintenant une belle publicité dans le petit bouquin. Voilà, donc merci à tout le monde. Et puis on espère, avec Lucien, on part en mission pendant 15 jours en vacances dans le sud pour vous trouver des super spectacles. On a déjà des belles listes pour l'an prochain et on espère faire un programme super sympa pour l'année prochaine. Merci et bonne soirée. Donc, pour compléter ce que dit Bruno, la ville nous donne une somme. Ah, c'est joli, mais il faut être connaisseur. Ah, c'est toi qui as le micro. Ça marche bien. Au moins, il fonctionne. Oui. La ville nous donne donc 160 000 euros. Le département nous donne 3 000 euros. Les différents annonceurs sur notre plaquette nous donnent 10 000 euros. Bon, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oui, maintenant ça. Il y a quelqu'un dans le public qui connaît là, qui veut aller à la console? Ok. Voilà, en plus la ville nous installe les scènes, nous déplace les bacs de banc, les barrières, nous amène l'électricité, enfin, et nous fournit deux jeunes en juillet, deux jeunes en août, ceux de juillet sont plus là, puisqu'on est au mois d'août. Et les deux du mois d'août sont ici, ils s'appellent Rémi et Léo, je demande de les applaudir. Un petit mot, messieurs, vous avez quelque chose à dire? Oui, Chartres Festival sans Michel Brisson, c'est pas Chartres Festival. Voilà, votre président. Et je vous demande de bien vouloir excuser ma mollesse et mon manque d'humour, comme dit Céline, une gentille dame qui n'est pas venue se présenter, mais bon, on est en France. Hein. Allez, bonne soirée, on laisse la place aux vrais artistes.